L'équipe avocat qui fait aider à préparation du rapport, fait une présent. Nous avons le président qui soumet une copie du rapport et explique le président que c'est un démarche sur la section 21 du Code of Criminal Appeal Act. Le président fait prendre note de ce qu'il nous fait dire et fait dire que demain matin, au plus tard, il peut envoyer le dossier à la commission de pouvoir de grâce. Donc là, c'est une machinerie qui est en marche. Nous, le but, c'est d'aller à la justice. Le but, c'est avec le principe que si nous avons toute la culpabilité en Timoun, ils ont fait tout pour aider, refasser sa bandite là. Et si un Timoun innocent, il n'est pas capable de faire ça un jour, sera dans la prison. C'est ça la démarche. Et nous, c'est encourageant de voir que le président fait une recevoir nous. Encourageant aussi qu'il voit la liberté, refaire à l'institution. Et la procédure est en marche. Oui. Ce qui est aussi intéressant, pourquoi, c'est que nous recevons, la présidence nous recevons 12 avocats et un avoué. Et nous allons dire aussi que les autres camarades, tous camarades de pays aujourd'hui. L'autre chose qui est importante, c'est que nous sommes dans aujourd'hui, c'est que le président Diali, c'est une affaire nouvelle, c'est une affaire nouveau, c'est une nouvelle procédure. Et c'est la première fois que ça démarche là, pour l'entreprise vis-à-vis de la présidence. Et comme je me suis fin de dire, ça pour le code commission, on peut vous remercier. On vous a dit que ce matin, moi de mon côté, on a envoyé une lettre à la commission pour vous remercier. Et nous allons un petit peu plus loin aussi, nous dire à la commission, moi vous avez un rapport, quand on est un rapport, si vous écoutez nous de vive voix, c'est-à-dire vive à voter, écoutez nous. Une explication, une clarification, une new evidence qui démontrait l'innocence claire et nette des 4 convicts qui trouvent la prison centrale, nous prêts pour venir devant la commission. Moi, ce qui m'espérait que maintenant le travail du président, il fait ce travail correctement, il recevoir nous, il montrait à la hauteur de la présidence, ben, l'affaire peut référer à la commission pour étudier. Nous donne le temps à la commission pour étudier et la commission appelle nous va donner une clarification plus bien et m'espérer à la fin, au moins à ouf, une directe, tout comme on a besoin avec moi ici, pour que la vérité triomphe et quand la vérité triomphe, il est égal l'innocence des 4 amicales pour être démontrée et cette libération pour s'en suivre et de là. Il n'y a pas un souhait maintenant, puisqu'il y a un souhait maintenant, nous dépassons le côté souhaitable et nous venons nous rendre dans le côté réalisable. Et ce qui est intéressant pour noter, nous vous faisons notre point de presse, c'est que nous pouvons informer la presse, les supports des différents ONG, des différents partis. Je veux dire aussi que Jack Bizdal, qui m'a fait une zone hier, a fait une zone le président avant l'équipe d'avocats pour donner sa position, l'Osa Ishula. Bien sûr, Jack Bizdal, qui n'écrit même un article avant, supporte. Et ça move là et aussi donne bonne information à la présidence. Et donc ça aussi, c'est un pas intéressant. Et je crois comprendre qu'il peut multiplier après le support du MMM, après le support du parti travailliste et samedi dans une conférence de presse à travers le porte-parole en matière de communication, et M. Hossein. Je pense que les choses peuvent continuer à augmenter et la lutte. Il informe Shamir ce matin même que la lutte peut supporter India sur le website. D'autre part, nous vous donnons notre point de presse, nous vous donnons les autres enseignements, comment l'IP prend sur multiplication au niveau national et de la région et au niveau du monde occidental et le monde, ce qu'on appelle le monde qui croit dans sa type d'état de droit qui est là. D'accord, monsieur.